Ce maraîcher et semencier n'a pas d'autre choix pour irriguer. Installé sur des terres sablonneuses, à plusieurs kilomètres de la Loire, il va chercher l'eau sous terre au moyen de cette station de pompage. Indirectement, ça vient de la Loire, mais c'est dans... Ouais, à peu près là, on est à peu près à 15 mètres de profondeur. Comme Arnaud Lévesque, les 700 agriculteurs de la vallée de l'Authion dépendent du fleuve pour leur culture. Un important réseau d'irrigation alimente ces anciennes terres inondables qui s'étendent sur 1500 km² entre Maine-et-Loire et Indre-et-Loire. Les quantités prélevées sont fixées à partir de mesures régulières effectuées en surface et dans le sol. Et là, on est à 2,29 mètres. C'est plutôt bien. C'est plutôt... ça a baissé par rapport à la dernière mesure. En ce début d'été, 70% des nappes ont un niveau inférieur à la normale, faute de pluie. Ce producteur a déjà réduit sa consommation en équipant certaines parcelles de goutte à goutte, mais ces dernières années, il n'est plus autorisé à pomper autant d'eau qu'il le souhaiterait. J'ai été réduit de 10 000 m3, donc je ne sais pas, jusqu'au mois de septembre, je ne sais pas comment on va faire. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on nous réduit tous les ans. Y a certaines cultures qu'on hésite à mettre en place pour l'automne. Si la nappe vient à s'assécher d'année en année, il va falloir trouver d'autres moyens de substitution. Pour les irrigants, l'une des solutions pour épargner cette eau serait de pouvoir constituer des réserves. Le souhait, c'est d'essayer de remplir ces réserves par l'excès d'eau, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'excès d'eau cette année au niveau de la Loire, cet hiver. Mais pomper une petite partie de cet excès d'eau pour remplir des réserves qui puissent nous aider après à passer l'été. Les défenseurs de l'environnement appellent à un usage plus modéré de la part des agriculteurs et réclament la réduction drastique de production gourmande en eau, comme le maïs. Si ça ne se fait pas par la réglementation, ça se fera par la nécessité. Donc autant anticiper cette nécessité et passer directement à un système vertueux, on va dire, de l'utilisation de l'eau. S'adapter, oui, mais du point de vue de la Chambre d'agriculture qui pilote cette gestion collective, il ne faudrait pas abandonner des cultures qui font la richesse de ces terres semencières, maraîchères et horticoles. Si demain nous ne sommes pas collectivement capables de sécuriser l'accès à l'eau des territoires, effectivement, il y aura une remise en cause des productions et moins de productions dites spécialisées et à valeur ajoutée, donc effectivement un changement de paysage agricole dans les territoires. Lors des sécheresses de 2019 et 2022, les irrigants de la vallée de l'Authion avaient obtenu une dérogation exceptionnelle pour utiliser l'eau. Des volumes autorisés qui devraient être réactualisés l'an prochain, en tenant compte cette fois du facteur climat.